Spécialiste de l'entreprise, la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais révèle et accompagne tous les talents. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'Esprit Créateur. Aujourd'hui, gros plan sur l'un des partenaires essentiels du chef d'entreprise, l'expert-comptable. Pour en parler, nous recevons un expert-comptable, Alain Coneza. Vous êtes président du CEDAGE, le centre de gestion agréé de Lyon. Merci d'être sur ce plateau. Merci à vous. Alors, tout d'abord, peut-être une définition du CEDAGE, quelques chiffres clés Oui, si vous voulez. Eh bien, effectivement, le centre de gestion est un organisme euh, particulier euh, dont les missions sont régies par la loi. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Au jour d'aujourd'hui, nous comptons 8000 entreprises adhérentes dans la région lyonnaise et 700 experts comptables qui animent le réseau. Voilà. Alors justement, s'il n'y a pas d'expert-comptable, il n'y a pas de Cédage, alors est-ce qu'on peut repréciser le rôle de l'expert-comptable vis-à-vis du chef d'entreprise Oui. L'expert-comptable a véritablement un rôle de conseil. Il va s'intégrer dans la gestion du chef d'entreprise. Alors si vous voulez, on peut distinguer deux grands axes dans les fonctions d'expert-comptable auprès de son client. Tout d'abord, l'aider et l'assister dans ses obligations déclaratives. Obligations qui sont plus ou moins complexes hein, en fonction de la taille de l'entreprise, de son régime fiscal, du nombre de salariés. Et ces obligations déclaratives sont parfois assez redondantes. Hein. Il faut faire des déclarations parfois tous les mois, tous les trimestres ou autres. Et donc nous sommes là pour l'aider. Le chef d'entreprise ayant surtout l'obligation, dans ces périodes notamment de création, de se consacrer à son activité. Et il n'a pas forcément le temps euh, de pallier à tout cela. Et puis, le deuxième axe, deuxième volet, fondamental lui également, c'est d'accompagner le chef d'entreprise dans sa gestion. Et on est là pour l'aider, pour lui donner notre avis sur un certain nombre de décisions parfois importantes en matière d'embauche, en matière d'investissement, et puis pour commenter avec lui ses chiffres, hein, car il est très important euh, de pouvoir analyser le passé pour prévoir l'avenir. Alors quels sont les avantages pour le créateur d'entreprise d'adhérer au CEDAGE et de rejoindre cette organisation d'experts comptables Absolument, il y a un avantage particulier. Si vous voulez, notre slogan, c'est quand on adhère au CEDAGE, c'est moins d'impôts, plus de sécurité. Alors moins d'impôts parce que le CEDAGE est habilité par l'administration fiscale à délivrer ce que l'on appelle un visa, un visa fiscal, qui va permettre... Aux chefs d'entreprise de bénéficier d'avantages intéressants, notamment en matière de réduction d'impôts et puis de certaines déductibilités complémentaires de frais. Donc ça, c'est l'aspect moins d'impôts. Quant à l'aspect sécurité, eh bien les comptes sont un petit peu passés au crible, tant à la fois en matière fiscale qu'en matière de gestion, et ce qui assure aux chefs d'entreprise une pérennité importante et tout du moins une fiabilité importante en matière. De chiffres Voilà, deux éléments essentiels donc pour les chefs d'entreprise. Est-ce qu'il faut des conditions particulières pour adhérer Alors, pour adhérer au sédage de Lyon, oui, il faut des conditions particulières, mais vous allez voir, elles sont assez, euh, elles sont assez simples. Il suffit d'être artisan ou commerçant. Nous ne prenons pas, parce que la loi ne nous le permet pas, les professions libérales. Elles vont adhérer, elles, à des associations de gestion agréable. Et puis, il faut que ces entreprises elles soient imposées selon un bénéfice réel, un, un, pas un système d'auto-entrepreneur, par exemple, qui ne nous permet pas de les accepter par rapport à la loi. Est-ce que vous auriez un dernier conseil aux chefs d'entreprise, voire même aux, aux personnes qui peuvent postuler au CEDAGE Eh bien, écoutez, un conseil, euh, oui, en matière de chef d'entreprise, on peut en donner euh, de, de multiples, mais je crois surtout, quand on démarre son entreprise, on démarre son activité, il convient d'être persévérant et d'aller au bout de ses idées. Voilà. Et nous, au CEDAGE, on peut accompagner les chefs d'entreprise pour qu'ils aillent au bout de leurs idées. Merci beaucoup, M. Koneza, d'être venu sur Je ce plateau. Si vous désirez plus d'informations sur le CEDAGE, www.cedagelion.org. Sachez que vous retrouverez toute son équipe lors du prochain Salon des entrepreneurs qui se tiendra le 13 et 14 juin. On en reparlera bien évidemment dans un nouveau numéro d'Esprit Créateur. À bientôt. Spécialiste de l'entreprise, la Banque Populaire Loire-et-Lyonnais révèle et accompagne tous les talents.